L'un des jeux que j'attends le plus sur PlayStation VR 2 a fait parler de lui il y a deux jours, je n'avais pas eu le temps de couvrir la news à cause du boulot. On a un nouveau trailer, une date et le prix, on en parle tout de suite, maintenant c'est parti. Eh oui, salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est le jeu Vampire The Masquerade Justice qui sortira donc le 2 novembre 2023. Plus que 3 mois à attendre avant de pouvoir y mettre la main dessus. C'est sur Twitter que ça a été annoncé le 31 août, mais comme je vous le disais, donc à cause du boulot, je n'avais pas eu le temps de couvrir la news, et je voulais vous en parler, puisque nous avons également le prix qui sera de 26,99€ pour les membres PlayStation Plus, et sinon, ça sera au prix de 29,99€. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des 5 jeux qui me hype le plus sur PlayStation VR 2 et Vampire The Masquerade en faisait partie, je vais vous mettre le lien de ma vidéo dans la description, et vous pouvez avoir le lien en haut à droite. Avec le nouveau trailer que l'on vient de voir, cela me donne vraiment envie, je trouve ça plutôt original. Ça sera l'un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu de vampire à avoir sur PlayStation VR 2. Et donc vous l'aurez compris, vous êtes un vampire. Vous frappez depuis les ombres et buvez le sang des mortels et d'autres vampires. Au sein d'une trame narrative mature comprenant plusieurs missions secondaires et options de dialogue, explorez une Venise sombre et mystérieuse afin d'améliorer vos capacités et de devenir le plus puissant des vampires. Vampire The Masquerade Justice est un jeu de rôle d'aventure solo à la première personne, se déroulant dans le monde des ténèbres. Soyez un vampire furtif, devenez le prédateur ultime, une Venise sombre et mystérieuse. Quand je vois ces deux trailers, ça me donne vraiment envie, j'ai vraiment hâte d'être le 2 novembre pour pouvoir le tester. C'est donc un jeu d'aventure RPG où on va incarner un vampire et ça a l'air d'être plutôt excellent. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hypé ou pas par ce jeu. En tout cas, moi, c'est un grand oui. Et voilà les amis, j'espère que cette courte news vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas bien entendu de laisser un petit like, voire un gros like, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez ne rien manquer, eh bien tout simplement abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Il y aura beaucoup de mouvements à venir sur la chaîne, donc ne loupez rien, abonnez-vous. À bientôt, c'était Herbie, ciao ciao.